Eh bien voilà, premier petit bug du jeu, rien de bien méchant apparemment, j'espère simplement. Scanning the aurora, zero life signs detected. Lethal radiation levels detected. The main drive core has malfunctioned. The primary dark matter containment field has dropped to 36% amplitude. Ok. Continuing to monitor. D'accord. Très bien madame, bonjour, enchanté. Donc, qu'est-ce que je fais ici dans cette petite habitacle qui me paraît bien mal en point? Eh bien tout simplement, je suis un naufragé d'un vaisseau spatial qui s'est crashé sur une planète apparemment où il y a beaucoup d'eau. Comme on peut le voir, donc ce petit espace est en piteux état. Mais va pourtant me permettre de survivre, au moins dans un premier temps, jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement se créer une nouvelle base. Et donc on va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Alors déjà, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, donc nous sommes issus d'un accident de notre vaisseau spatial qui s'est crashé sur cette planète. On est donc sur une planète apparemment aquatique, ou alors nous sommes dans un océan, je ne sais pas, un mystère, on ne sait pas, peut-être qu'on le découvrira par la suite. Et voici donc notre vaisseau qui s'est abîmé en mer, qui est bien bien abîmé, comme vous pouvez le voir. Et donc apparemment on a réussi à s'éjecter à l'intérieur de cette petite capsule qui nous a bien sauvé la vie et qui nous sera bien bien pratique. Donc comme vous pouvez le voir déjà, le jeu est tout simplement joli. Hein, il est beau, il est très très beau, malgré cette version de développement anticipée. Donc le jeu est vraiment agréable à regarder et à jouer. Donc là je suis sur cette petite capsule, hop, je rentre à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve quelques objets qui vont être totalement indispensables à notre survie, à savoir cet objet, qui est donc un fabricateur, qui va nous permettre de crafter nos objets, de transformer les matières premières que l'on va trouver, pour tout simplement survivre. Donc, on clique sur cet appareil, on a accès donc à la création de différentes choses, donc comme les ressources, les matériaux de base, l'électronique, la nourriture et l'eau, tout ce qui va nous permettre de créer de l'équipement de plongée ou autre, des couteaux, des lampes, etc. et des objets un peu plus complexes que j'espère, bah, peut-être qu'on découvrira, surtout si j'y arrive. On va trouver également un extincteur qui ne sert absolument à rien, du coup je ne peux pas utiliser pour arrêter ce petit... Bon, c'est pas vraiment un incendie en même temps, donc je crains pas grand chose, mais c'est vrai que ce serait... Caution. Readings from the aurora suggest erratic fluctuations in the primary dark matter containment field. A breach of the main drive chamber may cause a cascading quantum flux detonation. Bon bah voilà, bon elle est bien sympathique. Ici on a donc un petit casier qui ne sert à rien du tout puisqu'il n'y a pas de trousse de survie. On retrouve ici nos batteries, ce sont les batteries je crois, voilà. Donc les batteries rechargeables donc, qui servent à nous donner de l'énergie à l'intérieur de notre petit submersible. Et une petite trappe qui va nous permettre d'accéder bah, pour sortir de la capsule et puis aller explorer un peu les fonds marins. Donc chose que l'on va faire immédiatement puisque dans un premier temps, on va aller se balader un petit peu. Et voilà. Voilà. Regardez comme c'est beau. Regardez. C'est classe. Franchement, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc, eh bien, on va tout simplement se balader et aller casser déjà ce premier bloc de calcaire qui va certainement renfermer un minéraux. On tape dessus et on récupère du titane. Ok. Voilà, on va essayer de pas se noyer tout de suite. Ok. Voilà, donc on a sur la gauche, en bas à gauche, on a donc notre niveau d'oxygène, notre barre de vie, notre niveau de faim et notre niveau de soif. Donc ce qui serait peut-être pas mal, bah, c'est que je trouve à manger. Donc pour manger, c'est simple, on essaie d'attraper des poissons, enfin simple. Voilà, j'ai attrapé un espèce de globuleux, je sais pas comment ça s'appelle, je trouve que globuleux c'est pas mal. Alors les poissons, quand ils nous voient, alors ils sont pas trop difficiles à attraper, hein, mais c'est vrai que quand ils nous voient, ils ont tendance à accélérer. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment joli, ils ont vraiment bien travaillé les décors.
les fonds marins sont quand même vraiment vraiment chouettes. Je vais pas réussir à te rattraper. Voilà, c'est fait. Donc j'ai deux petits poissons à manger. Si je peux en faire un troisième, je cracherai pas dessus. Bon. Eh bien, je crois que ça va pas être facile. Readings from the Aurora exhibit characteristics consistent with total degradation of the dark matter containment. Voilà, voilà. Ah, ces poissons. Alors, ces petits poissons sont vraiment indispensables pour notre survie, dis-moi, au début, puisque ce sont des poissons qui ont la particularité de recycler l'eau de mer, de l'eau salée, j'imagine. On va mourir. Non. Donc ce poisson a la particularité de filtrer l'eau, donc l'eau salée certainement en eau potable. Donc voilà, ça il faut pas hésiter à en ramasser autant qu'on peut, quand on peut, viens là petit. Alors c'est pas les plus rapides, mais ils font, voilà, ils se déplacent quand même, ils ont tous des déplacements assez assez rapides. Hein. Ok, on prend notre respiration. Donc ici on a donc accès à notre inventaire. Vous voyez, on peut stocker quand même pas mal de matériel, mais vous allez voir que c'est vite chargé. Hein. Et dans la partie droite, on va voir tous nos équipements qu'on peut utiliser dans le jeu, et puis d'autres choses qu'on verra peut-être un peu plus tard. On va essayer de ramasser pendant qu'on y est. Vous voyez, là on a du quartz, donc on ramasse. Ici, on a donc des débris de notre vaisseau. Hop, qu'on va ramasser aussi, ça sera certainement utile. Voilà, je vois encore du quartz ici. Voilà, c'est ramassé. Tiens, un joli petit poisson là, viens voir. Viens voir papa. Hop, on va dire que c'est un espèce de. Une espèce de salamandre. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok. 9, 8, oh, purée, 7, ça c'est pas une bonne idée. Je crois 5, que c'est tout simplement notre vaisseau qui va exploser. Waouh. Waouh. Bon, et bien voilà, on va dire que si on voulait repartir avec notre vaisseau, ça paraît un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Donc il vient d'exploser. Tiens, la nuit approche. Bon. Bon, et bien voilà, alors on a certainement des nouvelles ressources qui sont tombées au fond de l'eau. Seulement j'imagine que ce sera certainement compliqué d'aller les récupérer là-bas. Donc la nuit approche, regardez-moi ça, superbe coucher de soleil. Bon, et ben on va essayer d'aller transformer déjà un petit peu ce qu'on a ramassé. Donc on va utiliser notre fabricateur. Et on va déjà essayer de se fabriquer de la nourriture. Donc on va se fabriquer de l'eau. On va en reprendre tant qu'on peut. Ok. Et on va, ben on va tout simplement cuire nos poissons pour manger un petit peu. Et voilà, voilà. Donc on va ouvrir notre inventaire et on va se nourrir. Alors donc vous voyez, je vais manger ce poisson. Voilà, ça nourrit un petit peu son âme quand même, 79. Ok, et vous voyez, ça me remplit également un petit peu ma barre de soif. Certains poissons vous désoivent tout simplement, donc faut pas hésiter à manger. Par contre, faut le manger cuit, de préférence. Enfin, je sais pas s'il est cuit dans la machine ou s'il prend un coup de laser, je sais pas trop. Mais bon, c'est sympa en tout cas. Et donc, on va se boire une petite bouteille. Allez, on va rester comme ça. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre avec notre quartz, on a ramassé du titane aussi, tiens. Et donc on va se faire du titane. On peut se faire du silicone, on peut se faire du verre également. La nourriture, on a dit que c'était bon.
ça non pour l'instant. Alors moi ce qui m'intéresserait tout de suite maintenant, alors ce serait de me fabriquer peut-être... Oh, je sais pas si vous avez entendu. Voilà. Oh, puis alors voyez ça bouge. Attendez, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Waouh. Regardez comme c'est beau la nuit. C'est superbe. C'est vraiment joli. Vraiment joli. Donc, j'aimerais dans un premier temps peut-être me fabriquer un couteau. Donc j'ai besoin de titane et de ruban de silicone. Du titane, j'en ai puisqu'il est en verre. Et du silicone, je peux en crafter, me semble-t-il. On va regarder comment se fabriquer. Voilà, je peux me fabriquer du silicone en utilisant deux blocs de quartz, j'en ai. Donc je me crafte mon silicone et je peux maintenant me crafter un couteau de survie. Et voilà, couteau de survie qui va être quand même pas mal utile, notamment pour casser les blocs. C'est plus rapide. Ça pourra peut-être me permettre de me défendre. On verra. Oh, mon petit bateau est en train de remuer beaucoup. Donc ça, c'est une nouveauté de la mise à jour qui fait que, selon les mouvements des vagues, le bateau bouge. Enfin, le bateau. Donc c'est assez... C'est vraiment bien fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin de me fabriquer? Ben, en fait, je vais avoir besoin de me fabriquer un petit peu de tout. Mais je pense qu'une combinaison anti-radiation, oui. Parce que ce qui est important aussi, c'est que le bateau, le vaisseau spatial, en explosant, a libéré des radiations. Et donc, si on veut approcher de ce vaisseau, on ne pourra pas y accéder sans combinaison anti-radiation. D'où l'intérêt de se fabriquer une tenue anti-radiation. Donc la tenue, la combinaison anti-radiation, il faut donc du silicone et du plomb. Il y a également une combinaison d'ici, je ne sais pas trop, apparemment recycle l'humidité du corps, alors je ne sais pas, peut-être qu'elle nous permet de d'étancher notre soif. Un recycleur, bon, il y a énormément de choses, les palmes également sont importantes, les bouteilles d'oxygène sont évidemment importantes. Tiens d'ailleurs, allez, on va s'en fabriquer une, je crois qu'on avait ce qu'il fallait pour faire du verre. Eh ben non, et donc il me faut du quartz. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir. Si on ne se fait pas tuer tout de suite, on va sortir, on va aller chercher du quartz. Et on va donc s'améliorer notre capacité en air. Donc voilà du quartz. Alors le quartz, on le voit donc de cette manière, donc sous forme de cristaux. Voilà, donc au passage, on va ramasser un petit peu de métal. Voilà, là, vous voyez, hein, l'utilisation de la bouteille d'oxygène est vraiment indispensable au début. Bon, regardez celui-ci comme il est beau. Tiens, on va te manger. Tu veux bien que je te mange? Tiens que je te mange. Ah, celui-ci, je ne peux pas l'attraper, pas pour l'instant. Bon, eh bien, tant pis. Oui, donc je disais, donc l'autonomie d'oxygène que l'on a au départ est quand même relativement faible. C'est vrai qu'il est assez utile et urgent de se crafter une bouteille d'oxygène. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Est-ce que j'ai de quoi? Ou j'ai du titane, j'ai du quartz. Je devrais pouvoir me crafter ma première bouteille d'oxygène. Hop. Et allons-y. Ok, on va utiliser le fabricateur, on va donc se crafter du silicone. J'avais besoin de silicone, je sais plus. Et du verre, du verre, du verre, du verre. Non, je me suis trompé, j'ai fait du silicone alors qu'il me fallait... Tac, 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 du verre. J'ai fait n'importe quoi. Donc c'est pas grave, bon, on retourne, on va aller rechercher du verre, du quartz, pour faire du verre. Alors, voyons. Est-ce qu'on va trouver ça par là? On prend un petit peu de fer au passage. Alors, petit quartz. Alors, souvent, il se cache comme ça. Voilà, dans les herbes. Emergency.
10 seconds of oxygen remaining. Allez, on y retourne. Oh là 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 là. Je sais pas ce que c'est ces bruits. C'est pas très engageant. Oh, regarde, oh, regardez comme il est beau celui-là. Wow, il est gentil. Oh, ça lag un peu. Oh, il est très très beau celui-ci. Je ne l'avais pas encore vu. Ça lag. Je voulais bien essayer de récupérer un petit peu de poisson. Voilà. Ah, il est très 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 joli celui-ci. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Alors, donc, pas possible de perdre notre petite capsule de sauvetage puisque elle apparaîtra toujours sous l'eau, on la verra systématiquement. Vous voyez, on voit toujours ce petit truc qui clignote, cette petite icône qui clignote, et bien c'est tout simplement l'icône de notre petite capsule. Donc, on va aller se crafter une première petite bouteille d'oxygène. Donc, on a dit qu'il nous fallait du verre. On va essayer de pas se tromper cette fois-ci. Hein. Alors, ok pour du verre. Et maintenant, voyez, on peut se crafter notre bouteille d'oxygène qui va nous donner 30 secondes de plongée supplémentaire. Par contre, voyez, elle prend pas mal de place dans notre inventaire. Du coup, on a évidemment moins de possibilités de stocker des minerais. D'où l'intérêt quand même de se crafter assez rapidement des coffres. Pouvoir stocker le matériel. Alors ici, donc voyez ici on a déjà des objets qui sont déjà là. Voilà, notamment on a du verre, un kit de câblage et du diamant. Bah, je vais laisser au moins le diamant et le kit de câblage parce que j'en ai pas besoin. Je vais laisser également le métal que je n'ai pas besoin non plus. Alors on va essayer de se crafter. Ce qui serait intéressant de se crafter pour continuer au minimum l'aventure dans des bonnes conditions, ce serait donc la combinaison anti-radiation. Donc il nous faut du silicone et du plomb. Alors du silicone, je crois que je peux encore en faire. Non, je ne peux pas. Il me faut du quartz. Donc je vais aller rechercher encore du quartz. Et pour faire du plomb, il faut du cuivre et du minerai d'argent. Donc là, c'est quand même plus compliqué. On va voir, je sais pas. On y va. Alors, allons-y. On va essayer de trouver du cuivre ou des minerais d'argent. Alors, il faut regarder en fait sur tous les rochers, ou voire même dans l'eau, si on trouve des blocs à casser. Ça, on prend. Ça, c'est une espèce d'anémone qui a la particularité de cracher des bulles d'air. Donc elle va nous recharger en air. Regardez, alors, les soleils sont magnifiques, on dirait des chevaux de mer. Regardez comme ils sont beaux, ils sont magnifiques. Alors eux, ils ont la particularité, alors, ils sont agressifs. Donc si on va les titiller un petit peu, ils sont agressifs, ils nous attaquent. Et eux, leur kiff un petit peu, c'est d'attraper les morceaux de métal et de jouer avec. Ça, c'est du sel, je crois. Vous voyez, hop là. Voilà, là, il nous a vu. Voilà, il est pas content. Ok, il nous a loupé. Ok. Ça y est, il va nous foutre la paix. Je crois que c'est bon. Ok. On va aller récupérer ça. Ok, ici, on a donc du titane. Une dent de rôdeur. Apparemment ce poisson doit être un rôdeur. Et donc peut-être que le fait de jouer un petit peu avec lui, ça nous a... Il s'est cassé une dent. Tant pis pour toi, désolé. Je vois encore un truc à casser là en bas. Je vais essayer d'y aller sans nous faire attaquer si possible. Ah, il y a beaucoup de poissons là, beaucoup de rôdeurs. Alors, voyez. Est-ce qu'il nous faut des minerais? Tiens, bah de l'argent justement, il nous fallait de l'argent. Tiens, encore une dent. Donc ces poissons sont donc des rôdeurs. Et là je suis en train de jouer vraiment sur leur endroit. Là on a du cuivre, génial, il nous en fallait. Ok,
tiens, ça, ça doit être du sel encore. Ok. Ok, on va reprendre un petit peu d'air. On va plonger pour faire ce que le jeu nous demande de faire. On va s'éloigner un petit peu des rôdeurs. Alors, couper l'algue grimpante avec un couteau. Je suis trop loin. Ok, ça me donne des trucs. Encore du titane ici. Là-haut, je vois quelque chose. Du cuivre. Tous ces bruits, je me sens vraiment pas trop rassuré en fait. J'ai peur qu'une énorme bestiole vienne me bouffer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est mon submersible? Il est là. On va aller voir ce qui nous manque, parce que je sais plus du tout. Ok. Donc je voulais créer la combinaison anti-radiation. Donc il me faut du silicone, donc faut que je fasse du silicone. J'ai rien pour faire du silicone, j'ai pas de quartz, d'accord. Et il me faut du minerai d'argent, je n'en ai qu'un. Et ben voilà, c'est super. Donc on va aller chercher du quartz. On va aller chercher du quartz. Et on va essayer de trouver de l'argent. Allez petit poisson, venez vous faire manger. Alors ici, oh là, regardez-moi ça comme c'est beau là. Oh, c'est surtout très profond. Oh purée. Ça faut s'éloigner. Waouh. On dirait un volcan sous-marin. Je sais pas si je prends le risque d'aller chercher mon petit bout de quartz. Je crois que non. Je crois que je vais le laisser là. Oh regardez, pourtant il y a plein de quartz en bas, il y a plein de minéraux. Non hein. Non, ça me paraît un petit peu dangereux pour un début d'aventure d'aller traîner par là. Par contre, c'est vraiment... où est-ce que c'est du coup? Ok. C'est agréable à trouver. Alors, faut que je prenne ça et que j'aille récupérer un petit peu d'air avant de mourir. Ok. On va plutôt aller ailleurs, d'un autre côté. Voilà, un petit peu de sel. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de faire une partie de... Bon, ça n'a pas duré... Je peux tuer toi, oui. Ça sert à quoi? Donc j'ai eu l'occasion déjà de faire une partie... une partie que je... Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce que dès que j'ai joué, j'ai tout de suite eu envie de faire une vidéo avec. Donc je vais quasiment tout découvrir en même temps que vous. Peut-être même que vous connaissez déjà le jeu, certainement peut-être mieux que moi. Ok. Pour vous dire, j'ai regardé une vidéo sur internet et je me suis même arrêté de la regarder en cours de route pour pas me spoiler en fait les capacités du jeu, tellement je le trouve intéressant. Bon, bah moi ce serait bien que je puisse trouver un peu de ressources là, parce que là je tourne, mais je vois que dalle. Alors, tiens. Un peu de cuivre ici. Ok. Bonjour, bonjour monsieur. Voilà, je vous embête pas, vous inquiétez pas, je ne suis que de passage. Alors, si je pouvais trouver un peu d'argent, bah voilà. C'est... 30 secondes d'oxygène remaining. Ok, là je vois un petit peu de cailloux à casser, un peu de minerai. Je vois pas de quartz par contre. Ok. Allez, on y retourne. Alors déjà on va ramasser celui-ci. C'est du cuivre. Ça.
Ça, je sais pas trop. J'en ai déjà ramassé, mais je sais pas trop ce que c'est, apparemment. Ça, c'est du sel. On va en avoir besoin. Je ne sais plus pourquoi non plus. Du titane, évidemment, on en a besoin. J'ai pas de quartz. S'il vous plaît, monsieur, dame. J'ai peut-être tort de m'aventurer dans des petites grottes comme ça. En tout cas, regardez, hein, c'est vraiment magnifique. Le jeu est vraiment très très beau. Hein. Vraiment, il y a des champignons de toutes les couleurs. C'est super joli. Mais je trouve pas de quartz. Alors, donnez-moi du quartz. Tiens. Eh bah oui. Eh bah voilà, tiens, on va faire un petit tour du tuyau. Hop là. Eh bah oui, c'est comme ça. Ah, champignons acides. On peut les prendre. Plaque de coquille corallien. Non, ça, je peux rien faire. Oh, c'est vraiment impressionnant. Alors, vous savez quoi, je trouve pas de quartz. Je vais tenter d'aller récupérer celui-là. Au moins celui-ci. Attendez. Ok, il se passe plus rien, on y va. Ok, on y va, on y va, on nage, 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 on nage. Oh, oh, oh ouais. Oh, c'est extraordinaire, ce volcan sous-marin, c'est génial. C'est génial. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à retrouver? Alors, du quartz, j'en ai 3. Je pourrais me faire du silicone, je pense, de l'argent. J'ai 2 argents, je sais pas si c'est suffisant ou pas. Il y a autre chose d'ailleurs que je ne sais pas. Je ne sais pas si je nage plus vite, si je rengaine mon couteau. Ah, j'ai l'impression que oui. Alors, il me fallait donc du silicone. Je vérifie parce que... Donc du silicone. Ouais, j'ai 2 argent, donc je vais me faire mon silicone. Voilà. Et je devrais normalement pouvoir m'équiper de ma tenue en... C'était pas la bonne, ça c'est ma tenue de distillation. Bon, c'est du plomb qui me manque. Du plomb, du plomb. Ah bah voilà, je peux me faire. Alors, il fallait du cuivre et du minerai d'argent. Alors, un plomb, je suis pas sûr que ça suffise, il m'en fallait 2. Hein. Elle est où, là? Il me faut un deuxième plomb. Et donc le plomb, on a dit qu'il se craftait avec du... Donc il me faut encore du cuivre. Eh bien allons-y, on va boire un petit coup. Voilà, on va essayer. Alors on va trouver du cuivre. Bon, bien, apparemment il fait nuit. Regardez, on dirait un petit bonhomme. Salut toi. Alors essayons de trouver que tiens, du quartz. Ok pour le quartz. Hop, ça c'est pris. Oh là, c'est bruit, c'est impressionnant. On est pas tranquille, hein. On est vraiment pas tranquille. Ça c'est pas... Non, non, ok, je m'en vais. Ok, d'accord. Laisse-moi tranquille. Chut. Je sais. Voilà, je m'en vais. Il y a plein de dents de rôdeurs. Oh là. Ah, ils sont vraiment, vraiment pas contents et pas très sympas non plus. Ok, on a du quartz. Si je pouvais trouver ce que je... Ah, la saleté, hein. Elle m'attaque. Ah. Là, je suis tombé sur un nid de quartz, mais également un rôdeur m'a attaqué. Ok, alors je pense, je suis pas sûr, mais la nuit, peut-être qu'ils sont plus agressifs la nuit. Alors sachez qu'on peut mourir évidemment dans le jeu de tout un tas de sortes différentes, notamment la faim, la soif vous fait mourir, le manque d'oxygène également vous fait mourir.
Mais l'attaque des espèces animales qu'on peut trouver ici vous font mourir aussi. Alors, oh, regardez le magnifique poisson qu'on a vu tout à l'heure, il brille dans le noir. Ah, puis alors celui qui fait ce petit hurlement là, je sais pas lequel c'est. J'ai pas trop. Ouf, il m'a fait sursauter lui. Ok, bon, vous savez quoi, on va aller retourner dans notre petit vaisseau, parce que je crois qu'ils sont quand même bien plus agressifs la nuit. Du coup, on va retourner dans notre petit vaisseau. J'ai pas mon cuivre. Je vais me faire de l'eau, je sais pas si j'ai de quoi manger. Oh là là, mais oui, il est très 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 agressif. Il me reste que 10% de vie. Allez, vite, 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 petit vaisseau. Hop. Eh ben, on a eu très 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 chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit peu à boire, bien qu'on aurait pu manger le poisson aussi. Il est peut-être pas très très nutritif. Ok, eh bien déjà on va manger. Voilà. C'est déjà bien agréable. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des fragments de fusil à stase. Alors je sais pas trop ce que c'est. Apparemment, je pense qu'on doit pouvoir crafter des objets. On doit pouvoir crafter ces objets-là, mais je ne sais pas comment pour l'instant. J'en ai aucune idée. Si vous savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, parce que je ne sais pas trop comment faire. Bon, j'ai trouvé que des fragments de fusil à stase en même temps, mais j'avais trouvé d'autres éléments. Alors j'ai un plomb, ok, mais j'ai pas de quoi me faire un deuxième plomb. J'ai du minerai d'argent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va se crafter? Alors, ce qui serait intéressant également de se crafter, ce serait des kits de soins. Alors, pour les kits de soins, il faut donc des cream vine samples. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, je crois que c'est les plantes vertes qui poussent du fond de la mer qui sont très très hautes, très très longues, les espèces d'algues. Et de la javel. Alors, de la javel, je ne sais pas comment on fait pour trouver de la javel. Alors, la javel, il faut du sel et du corail. C'est quoi du corail? Bon, je sais ce que c'est du corail dans la vraie vie maintenant. Ok, du coup, est-ce que je peux entreposer quelques éléments là-dedans? Parce que si je meurs, j'ai pas envie de tout perdre. Alors je vais peut-être poser. Qu'est-ce que je peux poser? Bah, mon plomb, le cuivre, l'argent. Je vais poser un peu de tout ça. Je pose un petit peu de tout. Vraiment, du titane, mon silicone, les dents, je suis pas sûr que ce soit utile en fait, donc ça je vais les garder. Donc on va laisser le titane et le quartz, voilà, le sel, voilà. Si je meurs, ah, ma vie remonte toute seule. Bon, c'est pas très rapide, mais elle remonte quand même. Donc... Si je voulais me fabriquer ça, il me faut de l'eau de javel. Pour faire de la javel, on a dit qu'il me fallait du corail. Je ne sais pas ce que c'est, on va regarder ce que c'est. Ok, on va continuer. Ok, pour notre fameuse combinaison, donc il nous manquait toujours du plomb. Et le plomb... Ah, du magnésium, tiens, je sais pas à quoi ça sert. Il faut du cuivre et de l'argent, donc de l'argent j'en ai un, mais du cuivre j'en ai absolument zéro. Donc on va aller chercher du cuivre. Alors le jour est de nouveau avec nous. Si je peux vous attraper les petits loups, les petits globuleux là. Arrêtez. Voilà. Hop. Et on va essayer d'aller trouver, j'ai dit donc du cuivre. Alors pour trouver le cuivre... Eh ben, pour trouver du cuivre, eh ben, il faut aller miner, donc on va aller miner. Tiens, toi, je t'ai pas vu tout à l'heure. Donne-moi du cuivre, tu serais mignon. Eh ben voilà, il n'y a qu'à demander. On a donc du cuivre ici. Tiens, du fer, regarde. Hop là, eh ben ouais. Eh ben ouais, tant pis, je voulais piquer. Alors, du corail simple, ça, c'est pas du corail simple. Je sais pas ce que c'est, ça c'est des champignons acides, du corail sain, le fer, on va le ramasser. Ah, lui il est vraiment très très beau lui, hein. Il a pas l'air agressif. Ok, on va reprendre un petit peu d'air, on va aller chercher un petit peu d'eau aussi au passage.
Hop, c'est parti. Alors, ma barre de vie qui remontait, j'ai l'impression qu'elle ne remonte plus. Bon, ou j'ai peut-être rêvé, peut-être qu'elle remonte pas. Ok, j'ai ramassé un truc, je sais pas ce que c'est. Du quartz. Oh, il est vraiment beau ce poisson là. Enfin, ce poisson, je sais pas si c'est un poisson d'ailleurs. Regardez-moi ça, il est super avec ses petites boules jaunes là, sur le derrière là, c'est très très joli. Allez, un peu de cuivre, voilà, et ben voilà, super. Ah. Regardez, il nage un peu dans le sable. On va aller se repoudrer le nez. Où est-ce qu'elle est ma plante? Voilà. Ah, lui aussi, tiens, il est chouette. Tiens. Ah mince, je l'ai tailladé au lieu de l'attraper. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que ça attirerait pas les... Oh, regardez-moi ça comme il est beau! Salut, mon copain. Il est vraiment joli. Ah, c'est quoi, c'est... Tiens, tu vois, viens là. Ah... Ah, d'accord, vous avez vu? Il s'est approché de moi, il a lâché ces espèces de petites billes qu'il a sur sa queue. Et ça fait un espèce de nuage. J'irai pas... Où il est? J'irai pas nager à l'intérieur, j'ai l'impression que ça doit quand même pas être très très sympathique. Alors, est-ce que ce serait pas de ça que j'ai besoin? Non, je ne sais pas, il se passe rien du tout quand je tape dessus. Finalement, il me fait peur là maintenant, lui. Hein. Il me fait peur. Tiens, enlève-toi parce que je voudrais éliminer le... Je le sens pas. Ces petites boules jaunes, je sais pas, vous me dites si vous savez, mais j'ai l'impression que c'est pas très très... Ça me paraît pas très sympathique. Ok, on va essayer de faire celui-ci. Et puis on va retourner dans notre petit submersible. Ah, qu'est-ce qui est tombé? Du titane. Ok, parce que... Mine de rien, on fait pas très attention, mais on a vite fait de descendre profond. Là j'étais un peu plus de 50 mètres je crois, donc il faut quand même un peu de temps, prévoir un peu de temps pour remonter à la surface. Voilà, ok. Donc alors j'ai dû rêver tout à l'heure, ma barre de vie ne remonte pas toute seule. Donc bah, c'est probable que je décède. C'est vrai. Ah, puis il y a les petits poissons là pour me donner de l'eau. Il y a tellement de choses importantes à faire rapidement. Que c'est difficile de se fixer un objectif. Là, je pense que le craft de la tenue anti-radiation est quand même assez un objectif assez important, vraiment primordial. Je pense qu'on en a vraiment besoin rapidement. Et voilà, on est rentré à la maison, si je peux dire. Non, faut que je fasse du plomb. Du plomb, j'ai... Ah oui, faut aller chercher l'argent que j'ai rangé dans mon petit coffre ici. Alors, de l'argent. Ah, bah, il me semblait que j'avais de l'argent. Oui, c'est là, si je me trompe. Voilà, par contre, de l'argent, je n'en ai qu'un, hein, donc j'espère que ça là sera suffisant. Allons-y pour du plomb. Ok, et allons-y pour... il me faut deux plombs, j'en ai qu'un. Et du silicone rubber, j'ai dû y laisser là-bas. Alors, le plomb, il est là. Et deux silicone. Et hop. Et on a notre fameuse combinaison anti-radiation. Et voilà, donc on a donc la combinaison anti-radiation, le casque anti-radiation et les gants anti-radiation. Je pense qu'on peut... Voyons voir, qu'est-ce que j'ai en place? Ça, faut que je m'en débarrasse rapidement. Est-ce que je me recrafterai pas une autre bouteille d'oxygène? Peut-être. Peut-être. Et des palmes. Alors, les palmes, évidemment, sont importantes aussi, parce qu'elles nous permettent de nager plus rapidement. Donc, il nous faut du silicone. Donc, on va se crafter des palmes tout de suite. On va aller chercher du quartz. Oula, oula, doucement, doucement.
du quartz. Il m'en fallait deux, je crois. Hop, donc du silicone. Voilà. Et on va donc se faire des palmes. Alors les palmes, elles vous permettent tout simplement de nager plus rapidement sous l'eau. Voilà, alors on va... Allez, on se refait une bouteille d'oxygène, on va optimiser. Voilà. On va pouvoir rester plus longtemps sous l'eau. Au passage, si je peux poser ça... Ouais, parce que ça prend pas mal de place. Et puis je vais prendre ça. Voilà, on va prendre tout ça. Parce que j'aimerais vraiment plutôt me débarrasser de ça. Le cuivre, on va le laisser là. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Non, ça, je me suis trompé. Ça, voilà. Hop. Ensuite, on va se faire un petit truc à manger. Alors, un voyeur. Je l'appelle le globuleux, eux, ils l'ont appelé le voyeur. Bon, et le boomerang. Bon, lui, je l'aurais bien appelé boomerang. Ok, et on va pouvoir manger. Et voilà, on est à 100%, on va boire un petit canon. Ok. Ensuite, je dirais que l'urgence, ce serait de faire des kits de soins. Donc il me faut de la javel. Et pour faire de la javel, on a dit qu'il nous fallait du coral sample. Alors qu'est-ce que le coral sample? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on va aller voir. Est-ce que ça ne serait pas ça? Ces trucs là, non? Ces tubes. Giant corail. Ah bah voilà. Ah bah effectivement, alors le coral sample, ça me paraît facile à crafter, enfin à trouver. Allez, on va aller tout de suite se faire un kit de premier secours. Et voilà. Ça, ça va. Ah oui, il faut faire d'abord la javel. Donc c'est pour ça que les dépôts de sel, l'espèce de cube qu'on voit dans le fond, donc qui sont des dépôts de sel, sont assez importants. Parce que c'est ce qui permet de crafter des kits de soins. Sachant que le corail est quand même relativement simple à trouver, les cubes sont peut-être un petit peu plus difficiles à trouver. Ah si, ma barre de vie a monté, donc peut-être qu'elle est, elle est augmentée pendant que je mangeais. Peut-être. Ok, donc on va se faire... Voilà, un kit de soins, je sais pas combien il va m'en faire. Et ben voilà, ça c'est fait. Kit de soins, ben j'en ai un. Donc, clic gauche pour utiliser. Ok, c'est assez efficace. C'est assez efficace. De la javel, j'en ai 3 sur moi. Donc c'est les corail. Peut-être le corail, alors qu'il demande peut-être beaucoup de corail. Oui, il faut plus de corail. D'accord. Bon, le corail, c'est quand même pas difficile à ramasser. Du coup... D'ici que j'ai terminé de consommer tout le tube. Voilà. Allez, viens, je t'en prends un petit peu. Hop. On va essayer de se recharger notre vie au maximum. Pour continuer sereinement. Non, j'ai dit que d'abord il fallait faire de la javel. Mais c'était pas la javel que j'avais besoin. Je fais absolument n'importe quoi. Eh ben, pourquoi je les ai pas, mes creeping sample. Ah non, c'est pas ça. Les creeping sample. Qu'est-ce que c'est que les creeping sample? C'est ça qui me manque. Je confonds. Donc, il faut que j'aille chercher les algues. Les algues qui se trouvent ici. Donc, c'est pareil. Ça me paraît pas trop difficile à trouver. Voilà. Hop, hop, hop. Et allez, on est reparti. Et il y a ces espèces de petites boules jaunes, là, ces espèces de grappes de raisin, ces ampoules. Je pense que ce sera certainement utile. Enfin, j'ai l'impression que dans le jeu, beaucoup de choses sont utiles quand même. Hein. Allez. Hop, c'est parti. Je vais peut-être même en faire un petit deuxième. Voilà. Hop, et on va donc utiliser tout de suite, voilà, qu'on soit à 100%. Là, on est tranquille. Pareil, donc ici, on a notre combinaison. Donc, on a donc une combinaison anti-radiation. Et à droite et à gauche du casque, on a donc des emplacements pour mettre des choses. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, peut-être par la suite. On le découvrira peut-être.
Bon, alors à la limite, ce que l'on peut faire, je pense qu'on va peut-être arrêter là pour cette première vidéo ou cette deuxième vidéo, je ne sais pas. Si elle est trop longue, je la couperai, du coup ce sera peut-être la deuxième. On va s'arrêter là, et puis on continuera l'aventure par la suite. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi ça me plaît énormément. S'il y a des conseils, surtout n'hésitez pas, parce que je sèche quand même pas mal. Mais le jeu me plaît énormément, vraiment, donc j'ai hâte de continuer. Voilà, bon on va s'arrêter là, sur cette superbe image de notre super vaisseau spatial qui est complètement rendu l'âme, qui est complètement foutu. Je sais pas si l'assurance va couvrir les frais ou le remorquage. Enfin voilà, on est bien seul. J'espère qu'on va survivre. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite. À bientôt, à plus, au revoir tout le monde.